Alors comme ça, faut que je fasse des commentaires. Mais j'espère que c'est un bouquin intelligent, bonne BD. Bon sang, mais j'ai pas de chance, je vais tomber sur Boule et Bill. Bon allez, ça c'est du Véran. Donc voilà, il envoie en dédicace. D'abord il fait boule, les cheveux, vous allez voir. Vous allez voir, il va faire la main. Voilà, j'en étais sûr. Il fait toujours le même truc. Sa petite signature Véran. Alors après c'est salut les copains, tu viens jouer avec nous. Allez, il va plus vite que moi. Et il attaque le build. Alors build de face, build de profil, il nous le fait de face. Donc j'espère que vous notez avec quelle rapidité il dessine. C'est comme ça qu'il arrive à faire un album tous les 2 mois en fait. Voilà. Ah, le texte. Salut les copains, je vous l'avais dit, c'est toujours le même truc. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon sang. C'est le même mec qui fait les petites histoires pour les enfants, qui fait des histoires d'alcoolique avec au fil du zinc. Donc là voilà. Toute la médiocrité de l'humanité dans ce dessin de ce personnage. Je suis sûr qu'il va faire un comptoir derrière. Ah, le pull fait un peu Gaston Lagaffe d'ailleurs, j'avais jamais remarqué. Et voilà, je vous l'avais dit, il y aurait le comptoir. Ça, il le fait bien le comptoir. Mieux que le boulet. Là, il vient de se gratter, donc le petit geste que vous venez de voir. Voilà, un verre, deux verres, plutôt verre. Ah, c'est de la bière cette fois, mais dans des verres à pastis. Personne ne lui fait la remarque. Bon, bah écoutez, ça continue. Qu'est-ce qui. Ah! Un gâteau d'anniversaire, donc c'est juste, on a dû dire c'est pour un anniversaire. Donc est-ce que vous pouvez faire un petit truc? Bon sang, qui c'est ce deuxième là qui fait des gestes grotesques? Eh ben voilà, et oui, fatigué, bah c'est normal à cette vitesse, mon pauvre Laurent, faut te calmer. Oui, t'as battu ton record, donc bravo.